Regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas.
Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi! Regarde-moi, Atreus! Atreus, regarde-moi! Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas... prêt. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. Le chemin vers la maison est par là. Toujours pas à ouvrir les portes, hein. Silence. Yeah.
bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. De feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Allez, rentre. Les choses seraient différentes maintenant qu'elle est. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux?
Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Par de chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin! Tu aurais dû écouter. Non. D'accord. À mon tour. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lits ici? C'est un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien, on remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Ah.
C'est qui? C'est qui que tu protèges, hein? Je vais trouver. Vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. On aurait pu éviter tout ça. Pas des... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chercher. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Allez!
qu'en t'affrontant, toi entre tous, j'aurais fini par sentir quelque chose. Mais c'est impossible. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver.